Jerónimo, eres el mejor jugador de septiembre para los hinchas del Montpellier. Bueno, muchísimas gracias. Eh bien, merci beaucoup a tous ceux qui ont voté pour moi. ¿Cómo viviste tus primeras semanas en el nuevo país, nuevo equipo y nuevo campeonato? La verdad que muy bien. Siempre dije lo mismo. Acá me desde el primer momento en el que llegué me trataron como si très bien. Dès que je suis arrivé, on m'a bien accueilli, traité comme si j'étais un de plus et même en fait comme un joueur important et ça m'a fait me sentir bien. Je me suis vite senti à l'aise avec la ville, les gens, mes coéquipiers et le staff. Il n'y a pas photo. Je suis donc très content de ces deux premiers mois en espérant que les prochains soient encore bien meilleurs. Y eso para mí no tiene comparación con nada. Así que muy feliz por estos mes y medio, dos meses que llevo ya en el club y esperemos que sean los próximos mucho mejores a este que pasó. ¿Y en cuenta este nuevo campeonato? Dijiste que pensaba que era muy más directo que en España el sí. juego. ¿Qué piensas ahora? Sí, la verdad que bueno, a medida que vas jugando partidos te vas dando cuenta que Et au fur et à mesure que tu joues des matchs, tu te rends compte que c'est différent à celui d'Espagne. C'est difficile de s'adapter au football d'ici car toutes les équipes ont des joueurs de valeur, puissants, avec des qualités techniques et surtout très rapides. Dans ce sens, le jeu est beaucoup plus physique et plus rapide surtout. Je suis très surpris en bien et c'est un championnat qui me plaît depuis mes premiers matchs à vrai dire. Et comme j'ai dit, j'espère qu'on va être encore bien meilleur que ce qu'on a été jusqu'à présent. Que desde el momento en que jugué mi primer partido me encantó y como te dije recién, esperemos que los próximos partidos sean mucho mejores a estos que pasaron. Bueno, ya viviste clásicos, el de La Plata con Estudiantes frente a Gimnasia en Argentina, sí. Con la Real frente a Bilbao en el País Vasco. Sí. ¿Qué te parece el derbi de Montpellier-Nîmes y cómo lo pasaste? La verdad que sí, tuve la suerte de jugar en Argentina, jugar en el País Vasco y ahora me tocó jugar un clásico que... J'ai eu la chance de jouer des derbies en Argentine et au Pays Basque et maintenant j'en ai vécu un que je connaissais pas et qui m'a surpris. Les gens le vivent vraiment avec passion et comme n'importe quel autre classico important. C'est très beau à vivre comme joueur. En plus, on l'a emporté et on a donné la joie aux supporters. Gagner 1-0 à la maison, c'est parfait. Je pense qu'on a mérité ce succès, le bon goût qu'il a laissé dans la bouche. Je compte déjà les jours jusqu'au prochain derby chez eux. Merecíamos ese buen sabor de boca de ese día y nada, realmente me encantó y no tengo y ya cuento los días para jugar el siguiente en la casa de ellos. Bueno, felicitaciones por tu título de mejor jugador de septiembre. ¿Ya puedes hablar un poco francés? Oui, je peux comprendre français, pero je suis très heureux de este premio y muchas gracias a todos. Merci beaucoup.